Un interrupteur à couronne lumineuse se repère facilement dans l'obscurité grâce à ses LED faible consommation. L'interrupteur à couronne lumineuse commande tout type de lampe. Nous allons vous montrer comment remplacer un simple interrupteur par un interrupteur Celian à couronne lumineuse. Pour réaliser ce bricot, il vous faut un interrupteur Celian à couronne lumineuse, un tournevis plat. Par sécurité, coupez le courant au disjoncteur général. Vous allez commencer par retirer l'interrupteur que vous souhaitez remplacer. Déclipsez la plaque. Dévissez l'interrupteur. Repérez bien les fils, le fil de phase et le fil relié à la lampe. Déconnectez les fils. Vous conservez les fils et la boîte. Vérifiez que celle-ci ait une profondeur d'au moins 40 mm. Vous allez maintenant raccorder l'interrupteur Celian à couronne lumineuse. Raccordez les petits fils de la couronne lumineuse sur les bornes noires. La connexion est automatique. Raccordez le fil de phase sur la borne rouge. Raccordez le fil relié à la lampe sur la borne noire située à côté de la borne bleue. Fixez l'interrupteur à couronne lumineuse dans la boîte. Remontez la plaque de finition. Vous avez deux interrupteurs en va-et-vient, comme par exemple dans une cage d'escalier? Remplacez chaque interrupteur par un interrupteur à couronne lumineuse. Vous pouvez également choisir d'autres interrupteurs lumineux Celian et des finitions Celian en harmonie avec votre déco. Pour composer vos interrupteurs, rendez-vous sur moninterrupteur.fr.